Et yo les potes, c'est Kélian, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, si c'est nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications. Voilà, donc sur cette vidéo je vais vous apprendre à comment dessiner un Deadpool. Le Deadpool X-Force en pixel art. Voilà, donc comme matériel il vous faudra du gris foncé, du noir, du rouge et du gris clair. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc voilà. Donc il vous faut aussi une feuille à carreaux. Voilà. Donc là on va commencer par le noir. Ok. Alors, on commence par le bas. Donc alors, vous faites 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai bien commencé? Ouais, non, c'est bon. Voilà, donc vous en fait, vous avez qu'à prendre le feutre à alcool noir. Moi, je vais prendre un feutre Bic parce que j'ai pas envie de gâcher mon feutre à alcool noir pour un dessin, voilà. Donc là, vous faites 1, 2, 3. Donc moi, je vais faire des points de nouveau, voilà, comme la dernière fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà. Ensuite, ici, vous allez faire 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 2. Ok. Là, vous allez faire 1, 2, 3, d'accord? Et là, vous allez descendre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, vous allez faire un petit 1. Et ici, vous allez faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, là, vous allez faire un 1. Hop. Voilà. Là, vous allez faire un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ensuite, là, vous allez faire 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4. D'accord. Ensuite, vous allez monter de 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Après là. Vous allez baisser, donc là vous allez laisser 3 carreaux. Et là vous allez redescendre de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, comme ça. Et ici vous allez faire 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là pour l'instant on a déjà un bon résultat. Donc ok. Pour l'instant c'est pas mal. Après ça ici, ce que vous allez faire, 1, 2, 3. D'accord. Là, vous allez faire 1, 1, 2. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2. Et là, vous allez laisser un petit espace là. Ici, c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de détails en fait. Voilà. Attendez voir. Donc là, ce que vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc ça c'est bon. Là vous allez monter de 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là vous laissez un petit espace comme ça. Ensuite là on fait comme ça. Voilà. Ensuite. Là. Donc là si vous entendez un bruit au fond les gars, c'est juste que j'ai ouvert la fenêtre. Voilà. J'ai ouvert la fenêtre au cas où. Hein, vous dites ouais c'est quoi ce bruit au fond et ça. Non en fait juste ouvert la fenêtre donc on entend le vent parce qu'il fait vraiment bon dehors chez moi donc voilà. Là vous faites 1, 2, hop, et là vous allez continuer jusque là. Non attendez voir. Oui jusque là. 1, 2. Et voilà. Après ça, vous allez faire 1, 2, 3, 4, hop, hop. D'accord, ensuite, là, là on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là on ferme. Donc attendez voir, je sais plus comment on ferme maintenant. D'accord, et là, là vous faites ben, ça. Hop, 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 et voilà, donc là, c'est fermé, ok.
Ensuite, là vous faites un 1, 2, et là on va commencer à faire la tête. Okay. Là vous faites un 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, hop là, vous mettez un petit point là. Ok, là vous faites un 1, 1, 2, 3, et là, vous allez faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ensuite, vous allez faire 1, 2. 1, 1, 2. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. 1, 2. 1. Et 1, 2. Voilà. Donc là, on a la tête, on a le corps et tout. Donc là, ça se voit qu'il y a, déjà son épée là, sa tête, son corps. Donc là, c'est vraiment super bien. Donc là, on va faire les contours, ok, et on se retrouve juste après. Ok, donc là, les gars, on a fini de dessiner les contours. Alors, juste un petit truc, les gars, quand vous voyez un énorme trait comme ça, vous voulez colorier, ok. Alors, vous prenez votre règle, hein, et vous le, ben, vous faites un trait comme ça, de chaque côté, ok. Et là, ben, vous dessinez à l'intérieur pour pas dépasser, voilà. Là, j'ai mis des petites traces quand j'ai coloré, parce que le feutre, il était pas sec. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le problème, mais... perso, c'est pas vraiment grave. Hein. Ouais, c'est pas encore, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on va prendre le feutre, le gris foncé. Voilà. Le gris foncé. Et ben, on va dessiner à l'intérieur. Hop là, donc là. Donc là, vous faites ça, ok. Faites un petit trait. Et là, on dessine à l'intérieur. Il y a en coloris à l'intérieur, quoi. Là vous faites la même chose, pas la même chose de l'autre côté, mais voilà, vous faites ça, hop. Voilà. Après ça, alors juste après ça, vous allez reprendre le noir, parce qu'on a oublié un petit truc. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, hop. Ok, vous allez reprendre le... Non, ça va pas reprendre le gris foncé. Donc là, on va encore rajouter quelques détails. Voilà, des détails qu'on a peut-être un petit peu oubliés. Voilà, ça ici, et voilà, hop, ça aussi là, voilà, donc ça c'est des détails qu'il faut ajouter, comme ça c'est mieux, c'est plus stylé pour le pixel art, et... Donc là, vraiment, il n'y a plus rien à ajouter. Là. Maintenant, on va prendre le gris foncé. Et là, on va pouvoir colorier, les gars. On va pouvoir colorier. Bon. Alors, donc là, hop. Ok. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et hop, voilà. Alors j'ai fait des traits de limite, voilà, hop, et là vous dessinez à l'intérieur, vous coloriez à l'intérieur, et hop, comme. Yes, donc là il est assez stylé, hein. Il est vraiment, franchement, je suis très fier pour l'instant du résultat. Je suis très très fier. Pour l'instant vous voyez un petit peu foncé, mais quand ça va sécher, vous allez voir, il y aura un...
qui va être différente. Et en plus, moi, c'est un peu à contre-jour, donc voilà. Alors ensuite, après ça, ce que vous allez faire, prendre le noir, ok. Et vous allez faire 1, 2. 1. 1, 2, 3. Hop, et hop. Ok. Après. Donc ça c'est la limite, ok, et là bah, on va dessiner, on va colorier à l'intérieur. D'accord. Et là, vous allez prendre le gris foncé. Voilà, donc là. Et là, vous allez faire. Voilà, vous allez faire ça. Là, c'est un peu compliqué parce que... là, il est un peu chaud, en fait. Voilà. Et là, vous allez faire 20... ça, ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, voilà. Pour faire croire qu'il y a un deuxième œil de l'autre côté. C'est pas mal, faire ça. Et voilà. Donc là, c'est pas terminé, ok. Vous allez reprendre le gris foncé. Vous allez passer un petit coup dessus de côté. En fait, juste fais ça pour ajouter des détails, ok. Voilà. Parce que, en fait, j'ai oublié des trucs. Comme ça, c'est plus stylé en fait pour. Ça, c'est large, plus stylé. Voilà. Après là, je pense que c'est bon. Après là, ce que vous allez faire, c'est vous allez reprendre le gris. Maintenant, le. Non, le rouge, pardon. Et vous allez repasser. Ben. Voilà. Vous allez repasser dans l'œil. Parce qu'en fait, c'est le X-Force. Hein, c'est le Deadpool X-Force. Ce qu'on va faire. Voilà. C'est de prendre le gris clair. Et vous allez passer normalement dans tous les côtés blancs. Voilà. Dans tous les côtés blancs. Voilà. Voilà. C'est parti. Et j'ai oublié juste une chose. J'ai dit tous les côtés blancs, sauf ça, ok, le truc que j'ai fait là. Donc là, ce que vous allez faire ici, vous allez passer en deux. Et ça non plus, vous dessinez pas, ok. Ça, vous dessinez pas. Le truc à l'intérieur, vous dessinez pas. Voilà. Là, vous pouvez commencer. Et voilà, les gars. Donc, le Deadpool, il est terminé. Même malgré s'il y a des traces, ok. Normalement, chez vous, vous n'aurez pas à voir ça si vous avez des feutres à alcool. Moi, c'est parce qu'en fait, c'est le feutre noir qui est un peu débordé. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, lâchez un énorme pouce bleu. Donc, j'espère au moins atteindre les 40-50 likes sur cette vidéo. Abonnez-vous en activant la cloche pour recevoir toutes mes notifications de mes vidéos dessins ou des clips Fortnite. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.